Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce cardigan qui est vraiment super beau. Donc, vous pouvez le voir en photo, il est vraiment très grand. Donc, du coup, je ne peux pas vous le montrer très bien sous la caméra. Vous le verrez à la fin du tutoriel sous la caméra. Mais là, je préfère vous montrer donc les photos. C'est un cardigan qui est super, super à la mode. Donc, en ce moment, j'espère qu'il vous plaira. Donc, ça, c'est ma version à moi. Voilà comment j'ai réalisé ce cardigan. Donc j'espère qu'il vous plaît. Il est super moelleux et il est vraiment vraiment très confortable quand on le met. Donc voilà. Pour réaliser le cardigan, donc pour taille SM comme moi, j'ai utilisé 5 pelotes de Alba et 3 pelotes de classique. Donc j'ai travaillé les deux ensemble. Voilà, avec deux brins. Et il faut que ça soit donc de la même couleur. Donc vous allez voir. Dans la couleur alba et dans la couleur classique, il y a beaucoup beaucoup de couleurs similaires, donc c'est la même, c'est les mêmes en fait, pareil, pas similaires, les mêmes. Donc du coup, vous les travaillez ensemble et vous faites votre cardigan de la couleur souhaitée. Donc ce cardigan, ce qui est bien, c'est que il a été dans les photos qu'on trouve, il est de toutes les couleurs, que ce soit rose pastel, enfin vraiment de toutes les couleurs. Et donc vous pouvez doubler les laines et vous faire votre cardigan boule à votre goût. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aura besoin. Si vous le faites plus grand, il faut juste prévoir plus de laine, c'est tout à fait normal. Toujours moins de classique que de Alba, puisque par rapport au métrage. Là, il y a 300 mètres, plus ou moins 300 mètres, et ici, plus ou moins 133 mètres. Donc du coup, avec une classique, vous pouvez travailler deux Alba. Si vous voulez plus long, je vous conseille de rajouter deux Alba de plus, donc 7 Alba. Et une classique de plus. Voilà, donc toujours pour la taille SM. Si vous le voulez plus grand, donc pour une taille LXL, je vais marquer dans le site combien je conseille de laine. Ce sera approximatif, bien sûr, puisque je ne sais pas la longueur exacte que vous voulez, mais approximativement pour une bonne taille, hein, combien de pelotes je suggère. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé des aiguilles circulaires numéro 10, donc pour travailler, pour lever toutes les mailles du col. Donc quand on va les lever, il nous faudra donc un long fil. On va les travailler exactement comme si c'était des aiguilles droites, c'est-à-dire en aller-retour, mais on a besoin du fil pour rentrer toutes les mailles. Ensuite, une aiguille à laine et des ciseaux. C'est tout. Optionnellement, vous pouvez mettre une petite plaque handmade dans la manche. Donc ça, vous le trouvez également dans la boutique. Voici, on peut commencer. Ce cardigan, je vais l'offrir avec grand plaisir. Donc, pour le recevoir, il vous suffit de rentrer sur la boutique, de faire votre commande, normalement. Et la commande la plus grande que j'aurai reçue, je lui enverrai donc ce cardigan. Donc, les commandes sont comptabilisées à partir de la publication de ce tutoriel jusqu'au 31 janvier à minuit. Donc, vous faites votre commande normalement, avec ce que vous avez besoin. Et la gagnante recevra donc ce joli cardigan le 2 janvier. Et la gagnante recevra ce joli cardigan. Donc le 1er février, il partira chez elle. Voilà. Donc les commandes partent tous les jours, mais seulement la gagnante, elle recevra donc le 1er février, je lui enverrai le cardigan. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris donc pour faire le cardigan. Donc j'ai monté, vous allez voir, 60 mailles. Les 60 mailles, j'ai fait 7 rangs au total. Donc ici. 7 rangs de points élastiques. 7 rangs élastiques. 1-1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est travailler tout droit, tout le dos, jusqu'à avoir au total 77 rangs, donc de là, hein, du premier rang qu'on va faire au point mousse, 77 rangs en mousse. Comme ceci. Une fois qu'on a les 77 rangs, donc vous pouvez en faire, très important, 90, 100 de rangs, combien vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a la longueur désirée, hein, de la nuque
jusqu'en bas, donc voilà, que vous voyez. Moi, par exemple, mes fesses sont là, donc aux mi-fesses, voilà, c'est là où il m'arrive. En fait, moi, je suis comme ça, de la ceinture. Et donc, le cardigan m'arrive là, au milieu des fesses. Après, si vous le voulez plus grand, par exemple, donc que ça couvre toutes les fesses, là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous faites plus de rangs, tout simplement, jusqu'à avoir la bonne mesure. Ça n'a rien à voir avec le modèle, hein. C'est vraiment au choix, chacun ses goûts. Et vous pouvez la faire plus courte aussi, en fait, c'est vous qui décidez. Ensuite, on va tricoter ici 23 mailles. On va mettre en attente 16 mailles du coup, pour le col. Donc dans un imperdible. Ensuite, on va mettre aussi en attente les 23 autres mailles dans un imperdible. Et on va se consacrer qu'à ces 23 mailles. Et on va donc les tricoter au total 77 rangs aussi. Donc 77 rangs aussi. Là aussi, il y en a 77 rangs au point mousse. Donc toujours au point mousse, hein. Ensuite, je vais terminer ici, pareil, par 7 rangs au point élastique 1-1. Quand j'aurai terminé ça, je vais faire, donc, fermer les mailles et couper le fil. Ensuite, ces 16 mailles, on va les laisser et on va faire la même chose de l'autre côté dans les 23 mailles. Donc tout ça, je vais vous le montrer dans le tutoriel, ne vous inquiétez pas. Comme ça. 77 rangs pareil, etc. Au mousse, point mousse, et là, 1-1, 1-1, 7 rangs au total. Une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est lever les mailles. Donc, lever les mailles ici. Ici, dans le col, récupérer les mailles qu'on a mis en attente et finir de lever les mailles tout le tour. Et là, donc, dans le col, vous allez travailler donc en point élastique. Et donc, on aura cette partie de terminée. Ensuite, je passerai à la manche. Donc, les manches, j'ai fait un croquis que je vais vous montrer dans le tutoriel. Donc, c'est tout simplement point élastique pendant 6 rangs. Au point 1-1, donc on monte d'abord 26 mailles, 6 rangs au point 1-1. Ensuite, vous allez faire 5 boules avec le point que je vais vous mettre le lien sous la vidéo. 5 boules, et ensuite vous finissez par un rang droit, un rang envers, et le dernier rang où on ferme les mailles. Tout simplement, c'est vraiment facile. Ici, on a commencé avec 26 mailles, et là, après les 6 rangs de point élastique, on va faire un rang où on va augmenter. Tout ça, je vous l'explique dans le tutoriel. Et ensuite, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de coudre les manches au cardigan. Donc les boules là. Alors moi, je suis pas très forte en dessin, donc voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, donc quand on va plier cette partie-là en deux. Ici, il y a une couture. Donc, cette partie, on va l'assembler avec une couture. Et vous aurez votre cardigan de fini. Ce que je voulais, moi, vous expliquer très important, c'est que si vous le voulez plus long, donc par exemple, ça de plus, comptez bien, parce qu'il faut faire ça de plus dans le dos et ça de plus devant et devant. Donc, comptez bien environ deux pelotes de plus de ce que je recommande, moi, pour la petite taille que j'ai fait. Moi, je l'ai fait assez court, hein. Mais si vous le voulez plus grand, vous pouvez. Donc, comptez au moins deux pelotes, voilà. Une pelote de classique et deux pelotes de Alba. Voilà, supplémentaires. Voici. Donc pour les tailles L, XL, etc., je vous conseille moi personnellement, à part pour les manches qui sont bien larges, et c'est de là de partir sur 70 mailles. Voilà. Et puis que vous allez répartir uniformément. Donc là, toujours dans le col, un peu moins de mailles que pour les deux devants. Voilà, tout simplement. Et la longueur, ben, c'est comme vous voulez. Comme je vous expliquais, ça c'est pour n'importe quelle taille. Vous faites le nombre de rangs que vous voulez. Ne vous trompez pas, comptez vos rangs. Il faut que les parties de devant et le dos soient identiques. Voilà. Là, oui, on va commencer. Avant de commencer, juste vous dire que si j'ai oublié quelque chose dans le tutoriel, donc ce qui peut arriver, ce n'est pas grave.
Allez voir donc dans le site lydiacrochettricot.org, qui est mon site. Dans la fiche du cardigan, chaque fois je note ce que j'ai oublié dans les tutoriels. Donc s'il y a une petite astuce ou quelque chose que j'ai oublié de préciser ici, vous le trouvez là-bas. Voilà. Sur ce, oui, on peut commencer. On commence le gilet donc par monter pour une taille S, M, 60 mailles. Moi, j'en ai monté que 22 puisque c'est qu'un exemple. Mais vous en avez 60. Donc moi, je vais le faire en tout petit, mais pour que vous compreniez, je vais vous donner les bonnes instructions. Et vous, au lieu d'avoir 22 mailles, vous en avez 60. Mais sinon, ça va être exactement pareil de ce que je vais vous dire. Il faut faire ce que je vous dis. Donc une fois que vous avez les 60 mailles de montée, donc je travaille avec les aiguilles circulaires, mais non pas de façon circulaire. Ça veut dire que je ne vais pas obtenir un cercle. Je vais travailler comme si c'était des aiguilles droites. Voilà. Donc de façon droite en fait, hein. C'est juste qu'elles sont plus petites, elles rentrent sous la vidéo et elles sont obligatoires pour faire ce gilet, puisque quand on va lever toutes les mailles pour faire le col, etc., il nous faut des aiguilles circulaires pour que toutes les mailles rentrent à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez vos 60 mailles, on va tricoter la première maille, donc déjà du rang numéro 1, puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles. Ensuite, on ne va plus la tricoter, ça ne sert plus à rien. Et en plus, ça sera utile pour la couture. Après avoir tricoté donc la maille lisière, ce qu'on va venir faire, c'est cette séquence-là. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. À la fin du rang, très important, vous terminez par la dernière maille à l'endroit. Et ça va être à tous les rangs, toujours à l'endroit. Que ce soit quand on va travailler au point mousse, que ce soit au point élastique comme maintenant, toujours la dernière maille à l'endroit. Et en faisant la dernière maille toujours à l'endroit et la première la passer sans la tricoter, vous allez avoir des petits nœuds. Et au moment de coudre, vous allez voir que c'est miraculeux en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le deuxième rang. Donc le deuxième rang, tout simplement, on sort la maille lisière sans la tricoter et on va tricoter toutes les mailles comme ça se présente. Là, par exemple, j'ai une maille à l'envers. Vous voyez, une petite boule ici. Eh bien, ça veut dire qu'elle est à l'envers. Donc, vous la tricotez à l'envers. Celle-ci qui suit est à l'endroit. Donc, on la tricote à l'endroit. Celle-ci est à l'envers, je la tricote à l'envers. Ça, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, on va tricoter comme ça. Là, je viens de commencer mon deuxième rang. Vous devez faire au total 7 rangs de points élastiques. N'oubliez pas, toujours, on termine avec la dernière maille à l'endroit. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ensuite, le rang 3, 4, 5, 6, 7, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent et on se retrouve. J'ai terminé, donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai fait que 3 rangs au point élastique puisque c'est qu'un petit exemple. Donc, sincèrement, je ne vais pas faire les 7. Moi, j'ai fait les 7 dans le modèle original. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tricoter. Donc, à part ces 7 rangs que vous venez de faire au point élastique, vous allez tricoter, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est 77 rangs au point mousse. Mais vous pouvez très bien faire plus long. Donc moi, le gilet arrive à mi-fesse. Voilà. Donc entre le dessus des fesses et au mi-fesse. Si vous voulez plus long, c'est-à-dire qu'il vous couvre les fesses, à ce moment-là, vous faites plus de rangs. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le modèle. Vous pouvez faire la longueur voulue, comme si vous voulez en manteau. Hein. Voilà. C'est à vous de voir. Donc moi j'ai fait 77 rangs au point mousse. Donc c'est-à-dire que toutes les mailles à partir de maintenant, je vais les tricoter à l'endroit. Le rang 1, 2, 3, 4, tous les rangs jusqu'à en avoir 77 inclus. Et celui-ci qu'on va faire maintenant, on va le compter pour le premier. Donc vous sortez la maille lisière et toutes les mailles, vous les tricotez tout simplement à l'endroit. Le rang numéro 2, c'est le même que le rang numéro 1. Et la dernière maille, vous allez tricoter ça à l'endroit également pour qu'il se forme les petits nœuds.
Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc moi, je vais faire un peu de rang. Je ne vais pas en faire beaucoup, c'est juste pour vous montrer. Mais vous, vous en faites 77. Et vous allez voir, ça monte très très vite, hein. Une fois que vous avez terminé donc les 77 rangs au point mousse, donc moi j'en ai vraiment fait peu, regardez, c'est juste un exemple. Donc une fois que vous avez terminé les 77 rangs, vous allez tout simplement sortir la maille lisière et vous, dans votre cas, tricoter 23 mailles. Donc là, la première, la maille lisière, elle compte pour la première, hein. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. Donc moi c'est 8, hein, parce que c'est un tout petit exemple, mais vous, vous en avez au total ici dans l'aiguille droite 23. À ce moment-là, vous allez prendre donc des imperdibles et ces 23 mailles qu'on vient de tricoter, vous les laissez en attente. Donc vous posez votre aiguille. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez en placer 16 qui équivaut au col dans un imperdible. Donc moi, je vais en mettre moins. Je vais en mettre 6. Et vous fermez l'imperdible et vous les laissez en attente. Donc là. Voilà. Et vous les laissez dans l'imperdible en attente. Et les dernières, vous devez en avoir aussi 23. Vous les placez également dans un imperdible. Les mailles qu'on vient de mettre dans les imperdibles, donc vous, les 16 pour le col et les 23 de l'autre devant de la veste, vous les laissez comme ça. Vous allez les oublier, entre guillemets. Et vous allez vous concentrer sur les 23 mailles qu'on vient de faire. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tricoter de nouveau 77 rangs au point mousse. Donc là, on vient de tricoter le premier rang. Quand on a commencé le rang, du coup, on les a tricotés déjà une fois. Donc 76 rangs supplémentaires au point mousse. Une fois que vous avez les 76 rangs supplémentaires, donc au total 77 ici, ce qu'on va faire, c'est travailler au point élastique. Donc je continue et on se retrouve. Donc là, pareil, vous retournez l'ouvrage et vous ne tricotez pas la première maille. Vous sortez la maille lisière et vous tricotez vos mailles à l'endroit. Donc là, on est en train de tricoter le deuxième rang des 77 que l'on doit faire. Tout à l'endroit, y compris la dernière. Une fois que vous avez donc terminé les 77 rangs au total au point mousse, bon moi c'est un petit peu de rang puisque c'est juste pour vous montrer, je vous rappelle, vous allez faire au total 7 rangs de nouveau au point élastique. Donc vous sortez la maille lisière et vous faites une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ça jusqu'à terminer votre rang. Et vous terminez toujours par la dernière maille à l'endroit quoi qu'il arrive. C'est la maille lisière, elle disparaît au moment de la couture. Donc voici. Donc ensuite, vous allez répéter donc le rang numéro 1. Donc le rang numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez tricoter tout simplement les mailles comme elles se présentent, comme on a fait pour cette partie-là. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau rang, vous regardez. Si vous avez une maille à l'envers, vous la faites à l'envers. Si vous en avez une à l'endroit, ben vous la faites à l'endroit, tout simplement. Et au bout de 7 rangs, on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs au point élastique, donc maintenant le dernier rang, on va aller fermer les mailles. Mais on va fermer les mailles en respectant les mailles, c'est-à-dire qu'on sort la maille lisière et celle-ci qui est à l'envers, je vais la tricoter à l'envers. Et là, oui, je peux passer la première maille sur la deuxième. Ensuite, je regarde, je vois que la suivante est à l'endroit, donc je la tricote d'abord à l'endroit et là, je ferme les mailles. Là, il y en a une à l'envers, donc je la tricote à l'envers. Et je passe la première sur la deuxième. Celle-ci est à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je passe la première sur la deuxième. Ça, jusqu'à terminer donc votre rang.
et la dernière maille donc à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, vous prenez le ciseau et vous coupez un morceau. La seule maille qui restait sur les aiguilles, vous placez vos doigts dedans et vous faites une maille en l'air. Donc vous prenez le fil qu'on vient de couper, vous le passez à travers la boucle et vous tirez. Voilà. Et là, nous avons terminé cette partie-là. Vous voyez, quand on le plie, c'est l'autre moitié du cardigan. Là, il va y avoir le col. Donc ça, on va les laisser en attente puisque ces mailles-là, c'est quand on va faire tout le tour en point élastique du col qu'on va les lever, qu'on va les récupérer en fait. Mais là maintenant, on va se raccrocher dans cette partie-là et on va tricoter de nouveau les 77 rangs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'imperdible et on va remettre toutes ces mailles-là en attente dans l'aiguille. Une, moi j'en ai 8, hein, mais vous en avez 23. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. On enlève l'imperdible. Et on va travailler donc ces mailles-là, tout simplement au point mousse, 77 rangs, comme je vous disais, si vous faites ma taille. Mais comme je vous disais, si vous préférez plus long, vous pouvez faire 90 rangs sans problème, 95, c'est à vous de voir. De toute façon, quand vous aurez votre dos de terminé, les 77 rangs, comme moi je fais, vous le mettez de la nuque jusqu'à en bas du dos en fait, et vous allez voir où ça va tomber, et puis là vous saurez si vous voulez plus grand ou pas. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va prendre donc la laine avant de commencer, la nouvelle laine. Donc vous la mettez par derrière comme ça, vous la tenez avec les doigts et on va commencer à travailler. Donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, donc la première, donc la deuxième, donc j'ai commencé comme ça, c'était plus facile. Et maintenant, donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Comme ceci. Y compris la dernière. Donc là, on vient de faire le premier rang des 77 qu'on devait faire. Vous terminez donc ce côté-là identique au deuxième et on se retrouve. Donc mes 3 rangs en poids élastique plus les 77 rangs, donc moi c'est un petit exemple, je le répète encore une fois, mais voilà, vous avez fini vos 7 rangs de poids élastique. Donc là on ferme les mailles comme de l'autre côté, vous sortez la maille lisère et vous respectez les mailles. Si j'en ai une à l'envers, je la tricote à l'envers et je passe la première sur la deuxième. Si j'en ai une à l'endroit, tricote à l'endroit et la première je la passe sur la deuxième. Ça jusqu'à terminer de fermer toutes vos mailles. Et la dernière maille à l'endroit, pareil. On passe la première, sur la deuxième. Et maintenant, c'est comme de l'autre côté. On coupe un morceau. Vous passez le fil dans la boucle et vous tirez. Et là, voilà ce que vous devez donc obtenir. Voilà. Donc là, vous avez ces parties-là de terminer. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lever les mailles d'une façon pour travailler au point élastique, ici, vous voyez, devant. Donc maintenant, on va lever les mailles, vous prenez votre laine, donc vous vous accrochez à une extrémité et vous allez ramener la laine. Et là, on a la première maille de fait. Vous allez dans l'espace suivant et vous ramenez la maille. Dans l'espace suivant, vous ramenez la maille. Dans l'espace suivant, la maille. Toujours dans le même niveau. Hein. Et vous allez lever les mailles comme ceci, tout votre tour. Une fois que vous arrivez ici, donc vous allez voir, il y a un espace, il y a une maille un peu tirée. Donc vous allez passer par en dessous, regardez. Donc là, la dernière de ce côté. Et maintenant ici, on arrive où il y a l'espace. Vous allez en dessous, c'est là qu'il faut piquer. Et vous ramenez le fil. Ensuite, vous allez dans la maille suivante et vous ramenez le fil. Ensuite, ces mailles-là qu'on avait mis en attente, vous allez les récupérer une par une.
qu'on enlève l'imperdible. Et elles ne sont pas dans le bon sens. Donc, moi, ce que je fais, c'est les mettre en attente. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont dans le bon sens, vous allez les tricoter toutes une par une à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. Donc vous, vous en avez 16. Hein? Moi, j'en ai 6. Une fois, donc on se débarrasse de l'imperdible et on continue à lever les mailles de l'autre côté. Donc vous piquez là par exemple, vous voyez, juste avant cette maille large, juste avant dans l'espace, vous levez encore une maille. Et maintenant, on arrive à celle-là où il y a un grand espace. Vous voyez, ben, vous devez aller en dessous. Et pas ici, sinon il va se former un creux. Donc ici, et c'est ici qu'on va lever la maille. Donc vous pouvez aussi également les lever comme si vous les tricotiez à l'endroit, c'est-à-dire comme ça. Vous allez dans l'espace suivant. Vous allez dans l'espace suivant. Mais j'ai l'habitude de le faire comme ça, donc vous le faites comme vous voulez. Et vous levez toutes les mailles. Quand vous êtes arrivé à la fin, n'oubliez pas de lever une dernière maille dans l'extrémité. Comme ceci. Et voilà, vous avez vos mailles de levée. Maintenant, tout simplement, vous prenez la deuxième aiguille et vous allez les tricoter. Alors, si ça vous intéresse, moi, dans le modèle original, j'ai levé au total 113 mailles. Mais voilà, si vous en avez levé 114, il n'y a aucune gravité. Hein. Voilà, on n'est pas à 2, 3 mailles près. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez travailler donc au point élastique tout votre col. Tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est 6 rangs au point élastique. Donc la première maille, vous la sortez sans la tricoter. Et à partir de la deuxième, vous allez tricoter une à l'envers, une à l'endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. Tout votre rang. Ensuite, le rang 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé de tricoter tout, donc les 6 rangs que vous devez faire, vous allez fermer les mailles. Donc tout simplement, vous sortez la maille lisière et vous allez faire les mailles comme elles se présentent, comme je vous avais montré pour ces parties-là tout à l'heure. Donc vous regardez, si vous avez une maille à l'envers, vous la faites à l'envers et vous passez la première sur la deuxième. Et ça jusqu'à terminer de fermer toutes vos mailles. J'ai terminé, maintenant vous coupez. Et vous faites, vous ramenez le fil dans la boucle comme je vous ai montré. Et tous ces fils-là, il faut les cacher à chaque fois. Hein. Et là, vous devez obtenir, bon là il est minuscule, hein, mais voilà l'idée, ce que vous devez obtenir. Vous avez tout votre tour de fait. Là où le relief s'est formé, celui-là, ça va dedans, hein, parce que c'est beaucoup moins joli que cette partie-là. Voilà. Donc une fois que vous avez ceci, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est les manches. Donc je vais vous donner les instructions, puisque le point, vous l'avez déjà sur la chaîne. Pour faire les manches, vous allez commencer par monter 26 mailles. Ensuite, donc la manche, elle est comme ça. On a le point élastique ici. Comme ça. Donc ça, on va dire que c'est le point élastique, hein. Ensuite, on a donc le motif des boules qui commence. Donc ça va être comme ça. Ça va être évasé. Et là, on va avoir deux rangs. Donc en fait, un relief ici, qui va se former avec un rang à l'endroit, celui-ci, endroit. Et le dernier.
à l'envers. Et ensuite, on en fait un dernier pour fermer les mailles. Voilà. Donc, comment on va s'y prendre? Vous allez monter 26 mailles. Ces 26 mailles, donc qui sont ici, sur vos aiguilles, donc ici, sur l'aiguille, hein. Vous allez tricoter 6 rangs, donc au total, 6 rangs de points élastiques, de points 1-1, donc élastique 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert. Ensuite, quand vous avez ces 6 rangs, on va faire une augmentation dans toutes les mailles. Donc, dans les 26, on a les mailles lisières. Donc, il n'y en a que 24 qui comptent pour le motif, puisque le motif est multiple de 6. Voilà. Donc, vous sortez la maille lisière après les 6 rangs de points élastiques 1-1, et on va augmenter les 24 mailles. Donc, il nous reste au milieu. Et vous terminez par la maille lisière à l'endroit. Ça va être la manche. Ensuite, quand vous avez terminé de faire 5 rangs au total de boules, donc comme ça, et ici, ça va être comme ça. Donc, quand on a 5, donc le motif, il est composé de 18 rangs. Ce serait ça. On va le répéter deux fois, donc ce serait ça. Et vous terminez par 9 rangs, donc une seule boule. Voilà. Quand vous avez tout ça, vous faites un rang tout à l'endroit. Ensuite, un rang tout à l'envers. Et un dernier rang tout à l'endroit en fermant les mailles. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer le rang où on augmente. Et ensuite, il faut répéter donc les 18 rangs de ma vidéo, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, du point, donc les 18 rangs, une fois et deux fois. Et ensuite, les 9 premiers rangs du motif. Et vous aurez 5 boules au total qui se seront formées. Et à ce moment-là, comme je vous disais, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et un dernier rang où on ferme les mailles à l'endroit. Et on aura la manche de terminée. Et là, on pourra coudre. Donc pour faire les manches, comme je vous disais, vous montez 26 mailles. Comme je vous disais ici, 26 mailles. Moi, j'en ai monté beaucoup moins, parce que c'est qu'un exemple. Donc, après avoir monté vos 26 mailles, vous sortez donc la maille lisière, vous la tricotez à l'endroit, puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles. Donc, j'ai pris une autre couleur parce que je n'avais plus de bleu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et ça, jusqu'à terminer donc tout votre rang. Et la dernière maille, toujours à l'endroit. Donc là, vraiment dans la manche, c'est vraiment obligé. Vous allez voir la couture après, vous n'allez pas être déçu. Je vais vous montrer ça comment j'ai fait moi. Vous ne pouvez pas savoir où est la couture. Il n'y a même pas. Les gens ne peuvent pas savoir en fait. C'est que vous. Puisque vous voyez la couture en dessous. En dessous, donc à l'envers. Sinon, vous ne pouvez pas voir. Donc, vous continuez jusqu'à terminer. La dernière maille, rappelons-le, à l'endroit. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, donc, vous retournez l'ouvrage. Et ce qu'on va faire, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous voyez une à l'envers, vous la faites à l'envers. Si vous voyez une à l'endroit, vous la faites à l'endroit. Donc là, je suis en train de commencer le second rang du point élastique. Au total, vous devez en avoir 6 au point 1-1. Les dernières mailles, n'oubliez pas toujours à l'endroit. Et on se retrouve. J'ai tricoté 3 rangs au total. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Donc moi, 3 rangs, hein, mais vous, c'est 6. Donc maintenant, je vais vous montrer le rang numéro 7. Donc là, vous sortez la maille lisière et c'est facile. Dans toutes les mailles, mis à part la dernière, dans toutes les mailles du centre, 24 dans votre cas, vous allez faire une augmentation sur chacune. Donc là, regardez, on a une maille à l'envers. Pour faire une augmentation dans cette maille à l'envers, vous soulevez la petite boule, vous la tournez légèrement et vous la placez sur l'aiguille de gauche. Et là, vous tricotez votre maille à l'endroit. Maintenant, vous tricotez la maille suivante
à l'endroit également. Donc là, on va le faire tout à l'endroit, Laurent. Ici, vous avez une maille à l'endroit. Vous soulevez le côté, donc vous voyez, il y a deux côtés dans une maille endroit. Vous soulevez celui de droite et vous le placez en le tordant dans l'aiguille de gauche. Et là, on tricote l'augmentation. Une et deux. Maintenant, on en a une ici à l'envers. Vous prenez la petite boule, vous la tournez légèrement, vous la placez sur l'aiguille de gauche et vous tricotez l'augmentation. Là, on en a une à l'endroit. Donc, de nouveau, on récupère la partie de droite de la maille. Vous tournez, vous le placez dans l'aiguille et vous tricotez l'augmentation. Comme ça, jusqu'à avoir vos 24 augmentations. Hein. Donc, au total, vous allez avoir 48, 49, 50. 50 mailles d'augmenter. Enfin, vous allez avoir 50 mailles au total. 48 d'augmenter. Ça va vous faire 48. De 24, vous voyez, puisque la maille lisière, donc les mailles lisières ne comptent pas. Donc, il y en a deux. Les 24, on va les doubler. Donc, on aura 48 mailles. Plus les deux mailles lisières, on aura 50 mailles au total. Voilà. Donc, j'espère que je suis claire. J'essaye d'être le plus claire possible. C'est vraiment facile. Hein? C'est que moi, j'essaye des fois peut-être trop d'expliquer. Donc là, pareil, j'ai une maille à l'envers. Je la soulève, je la place dans l'aiguille de gauche et je tricote. Et ça, vous allez le faire dans toutes vos mailles. Et vous tricotez bien la dernière maille toute seule, sans augmentation, à l'endroit. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est répéter du rang 1 jusqu'au rang numéro 18 du motif, deux fois, donc deux fois les 18 rangs, plus les 9 premiers rangs. Au total, vous allez avoir 5 boules. Et là, à ce moment-là, comme je vous disais, c'est pas la peine que je vous le montre, hein, vous allez faire un rang tout à l'endroit à la fin. Donc, vous avez fait votre 9e rang du motif. Vous allez voir, c'est là où on ferme les boules. Donc, les boules sont terminées. La dernière boule, ici, est terminée. Ils sont toutes fermées. Vous venez de les fermer dans le rang numéro 9. Ensuite, vous faites un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et dans le dernier rang que je vais vous montrer, on fermera les mailles et on le fera à l'endroit, ce rang-là. Et vous aurez la manche de terminer. Et je vais vous montrer aussi comment la coudre. Donc, une fois qu'on a terminé donc tous les motifs qu'on devait faire pour la manche, c'est-à-dire qu'on a répété du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 18 deux fois d'affilée, c'est là. Ensuite, vous répétez du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 9 inclus du motif. Et là, on aura terminé ce qui est le motif. Ensuite, vous allez faire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Ensuite, après ces deux rangs, donc un endroit et un envers, tout simplement, on va faire un troisième rang, mais on ferme, donc on va fermer les mailles. Et ce rang-là, on va le faire à l'endroit. Donc, vous sortez la maille lisière, vous tricotez la deuxième, et la maille lisière, on la prend et on la passe sur la deuxième. Vous tricotez de nouveau, donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, une autre maille, donc la maille suivante, et vous passez donc la première sur la deuxième. Ça, c'est ce qu'il faut faire tout votre rang. Donc, vous fermez toutes vos mailles et on se retrouve. J'ai terminé de fermer donc toutes mes mailles. Donc, maintenant, on prend le ciseau et on va couper un bon fil puisqu'on va coudre avec. Donc, un bon morceau. Hein. Vaut mieux en avoir trop que pas assez en fait. Et ensuite, donc avec la boucle qui est restée, vous passez le long fil à l'intérieur et vous tirez. Et voilà. Et donc, la manche, la voilà terminée. Donc là, j'ai une union de pelote, donc il faut que je cache le fil. Et donc, sinon, voilà. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Donc, ce modèle a des manches larges. Et donc, voilà ce que ça va donner après la couture. J'ai passé mon fil dans une aiguille à laine. Donc, maintenant, on va commencer la couture. Donc, moi, je couds du côté endroit et non envers. Vous allez voir ma couture après et vous en jugez si vous aimez cette façon ou pas. Donc, je vais déjà m'accrocher dans l'autre extrémité, comme ceci. Et le but, vous avez vu, alors,
Chaque fois que je ne tricote pas, moi, la première maille, et que la dernière, je la tricote toujours à l'endroit, ça se forme des petits nœuds. Et donc, ces petits nœuds, c'est ça qu'on va venir accrocher. Vous venez donc accrocher le deuxième petit nœud de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, il est là, le petit nœud. Et vous tirez. Maintenant, vous allez en face. Vous rattrapez un petit nœud. Donc, ne touchez surtout pas ici la maille en droit. Hein. Il faut vraiment le petit nœud seulement. Et vous tirez. Petit nœud avec petit nœud. Là, je reprends le petit nœud qui est en face et je fais pareil. Je vais en face, je cherche mon autre petit nœud qui est juste là. Et je tire. Je vais en face, je prends le nœud suivant. Et je tire. Le nœud suivant et je tire. Et ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est rapprocher les mailles. Et quand j'aurai fini la couture, vous allez voir que vous ne pourrez pas savoir où j'ai cousu. Je vais vous montrer ça. J'ai fait ma couture, donc je vais vous dire où elle est là. Et ça ne se voit pas, puisque vous voyez les mailles lisières, elles disparaissent. Ça sera ça, des mailles lisières. Comme ça, on ne déforme pas notre motif. Ces deux mailles lisières, donc qu'on ne tricote pas et qu'on termine toujours à l'endroit quand on veut coudre, ça sert à ça, en fait. Elles disparaissent derrière la couture, vous voyez? Elles sont là toutes les deux. Et du coup, regardez du côté en droit, le motif continue. L'envers, la tresse, l'envers, les boules parfaitement alignées, vous voyez? Et maintenant, pour terminer, vous continuez de la même façon dans le point élastique. Vous faites toujours pareil, petit nœud par petit nœud. Donc, je vais vous montrer la première manche que j'ai cousue. Donc, voilà comment je l'ai cousue. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça doit vous donner, vous voyez? Et en fait, on dirait que là, c'est l'épaule, mais non. Ce gilet, justement, comme il est large, l'épaule, elle est à peu près ici, vous voyez? Et tout ça, ça va tomber sur le bras, au mi-bras, en fait, du haut. Et du coup, ça, ça commence là. Et ça finit ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, vous pliez le gilet. Donc, il faut qu'il soit parfait. Voilà. Il faut que ça soit parfait au niveau de la moitié. Donc, j'enlève mon marqueur. Je l'avais mal mis de toute façon. Et on va venir donc mettre votre gilet parfaitement. Donc, le bas, faut qu'il coïncide pour qu'il soit bien droit. Et vous allez bien positionner le haut de votre gilet. Voilà. Et vous marquez là, à ce moment-là, le milieu. Donc moi, le milieu est là. Je le marque. Je prends ma manche, qui est ici. Et ce que je vais venir faire, c'est la mettre. Attendez, je vais essayer que tout rentre dans la caméra. Vous allez la mettre comme ceci. Mais, très important, vous allez faire en sorte, donc je vais vous mesurer ça. Vous allez la coudre déjà. Mais vous allez la coudre. Je vais vous compter les petits reliefs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Au total, 19 vagues. Vous voyez, les vagues, c'est ça. 19 au total. Donc moi, c'est comme ça que j'ai voulu la manche. Et ça fait parfait. Donc vous essayez. Là, c'est pareil, vous marquez, si c'est plus facile pour vous. Vous marquez ici le nombre de vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et vous allez faire en sorte que cette manche rentre dans 19 vagues. Donc ici, vous le marquez également et vous cousez. Voilà. Donc, si vous avez fait pour une autre taille, le mieux, c'est que vous le mettez sur vous et vous estimez, voilà. Mais ici, pour que ça fasse plus bouffant, je veux que ça soit un tout petit peu plus serré à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous allez coudre et on se retrouve. Donc, vous cousez tout à fait normalement. Vous faites un nœud dans un fil et vous cousez un morceau de la manche et un petit nœud.
De ce côté-là, un petit nœud. Et ici, un côté et une maille, quoi. Ici, vous attrapez la maille. Et en face, vous attrapez le petit nœud. J'ai terminé de coudre donc ma deuxième manche. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et donc là, oui, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est coudre en fait les côtés. Vous voyez? Donc les marqueurs, je les avais mis au moment de coudre les manches pour savoir exactement bien. Enfin, je ne veux pas me tromper en fait quand je couds. Donc du coup, je mets des marqueurs, comme ça, je suis sûre que tout est droit. Vous voyez? Et là, on va faire la même chose que ce que je vous ai appris pour le motif de la manche, la couture. C'est-à-dire que vous accrochez votre fil par ici. Et tout simplement, vous allez coudre petit nœud avec petit nœud, petit nœud avec petit nœud, jusqu'à terminer tout ce morceau-là jusqu'à la manche. Ensuite, vous faites un nœud, vous cachez votre fil, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc ça y est, j'ai cousu sur le côté, voilà ce que ça donne. Des deux côtés pareil. Et donc voilà, le cardigan terminé. Donc je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Il est vraiment super joli, bien chaud et super cosy pour être à la maison, même pour sortir. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc vous pouvez mettre aussi sur notre boutique, vous savez, les petites plaques qui s'accrochent ici où il y a marqué Handmade. Ça fera surtout très joli. Donc en bas ou dans le poignet. Voilà. Et voici donc ce cardigan terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Donc vous avez lydiacrochettricot.org où vous trouvez des centaines de tutoriels et la boutique lydiacrochettricot.com. À bientôt!